Un petit tour dans la chambre de Eline et quelques détails d'organisation. Je commence par vous montrer la déco dans sa globalité. Donc, c'est une pièce assez grande, surtout assez lumineuse. On a la partie hygiène, beauté, échange. Donc là, j'ai mon petit pot où je mets mes cotons, mon liniment, sa petite serviette personnalisée et surtout la vitamine D pour le matin. Bien sûr, ma table allongée. La partie couche et coteaux couche, je mets tout à côté à portée de main et les produits que j'utilise au quotidien. Donc ça c'est pour son change, sa crème pour hydrater sa peau, pareil c'est Aderma, j'en ai déjà parlé, sa petite brosse pour les cheveux qu'elle n'en a pas et le parfum que j'adore et dont j'ai tant parlé, acheté en pharmacie. Voilà. Ensuite on a une petite partie déco un peu sympathique, un peu girly. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai mis ses doudous, sa petite lumière, etc. Et là, ce que j'aime le plus, c'est ses tiroirs, où là, j'ai toute la partie soins, donc les sérums, les cotons. Et là, j'ai toute la partie accessoires, donc les mini chaussures, les petits rubans pour les cheveux, les turbans. Ensuite, c'est la partie body. Ensuite, pantalon, pyjama, donc tout type de body. Et là, j'ai toute la partie robe de sortie et robe. Et là, c'est surtout la partie matchy-matchy. Ensuite, on a une vue globale sur la chambre, son lit, avec toutes ces mini trucs personnalisés, son drap, son petit coussin. Sachant que le coussin, c'est juste pour la déco, je ne l'utilise pas forcément. Voilà. Et son petit nid de princesse. Là, j'ai toute la partie un peu décorative, avec son petit caisson de jouets, son petit pouf. Et là, sa chaise, avec son petit doudou. Et l'incontournable sac allongé que j'adore, dont j'ai beaucoup parlé en story sur Instagram. Le tapis, je l'ai changé parce que j'ai mis mode été. Les rideaux viennent chez la déco. C'est une tuerie aussi, ça rapporte de la lumière parce qu'ils sont blancs. Là, c'est toute la partie bain. Et sortie de bain et serviette personnalisée de Eileen aussi. Donc je les mets à portée de main. Ensuite, petite astuce pour l'érythème fessier. Donc on a une couche, un coteau couche. Ça c'est trop très très important et super utile. Voilà ce que ça donne quand on colle. C'est un peu comme les serviettes hygiéniques. Ça commence très tôt, hein. Et là c'est la crème que la pédiatre m'a conseillée pour Eileen. J'espère que ce petit home tour modeste vous plaira. Je vous dis à la prochaine. Boussatoun, kabiratoun.